qui ça la Bible dit sous divorce ak remarié? C'est de ça nous pral parler là. N'a faut connait que rubrique ça relé question tabou. Question tabou, c'est des questions que ou pas facile ouais yo parler mais qui gagne en pile importance. Tant que question ça que me poser là, qui ça la Bible dit sous divorce ak remarié? Question ça yo pas facile ouais yo. Ou font débat sou yo dans l'église ou pas facile ou font étude sou yo un message prêché spécialement pour ça yo quand juste font passer sou mais pourtant il faut que nous ta connait tout détail yo qui sa bible a dit comment est-ce que mon nan ka divorcé est-ce qu'elle ka remarié au moins fois nous gagne tout détail yo et ben c'est raison ça nous porter rubrique ça pour qui rele question tabou on garde ça avec. Tout d'abord, quelle que soit opinion nous gain sur question divorce là, nous devons souvenir nous de Malachie 2 verset 16 qui dit que car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Selon la Bible, mariage là c'est un engagement à vie. La Bible a dit ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Ça veut dire nous pas deux, mais encore nous font seul. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. C'est ça que nous lit dans Matthieu 19, le verset 6. Mais cependant, bon Dieu connaît très bien, puisque mariage l'a impliqué deux êtres humains, qui sont pécheurs, a bien divorce. Dans l'Ancien Testament, bon Dieu bail loi pour protéger les droits des personnes divorcées, particulièrement mesdames. Yo. C'est ça que nous lisons dans Deutéronome 24, verset 1er. Question divorce et remarié, selon la Bible, tourne principalement autour de paroles Jésus dans Matthieu 5, verset 32. Et Matthieu 19, verset 9. Regardez verset ça. L'expression sauf pour cause d'infidélité, c'est la seule base scripturaire d'une possible autorisation du divorce et du remariage. Dans la tradition juive, nous avons un principe. On fille avec un garçon qui est fiancé, il était déjà considéré comme deux mounsayo, c'est moun qui marié. Selon point de vue mounsayo, l'immoralité, ça nous est les fornications, pendant la période fiançaille, c'est seulement une raison valable pour être capable de divorcer, même les beaucoup mariés. Cependant, mot grec qui traduit infidélité est capable de désigner n'importe quelle forme d'immoralité sexuelle. J'aime te dire là, fornication, il peut désigner tout prostitution, adultère, etc.